Et bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu mobile que je voulais absolument vous présenter. Il s'agit de Enfant de la lumière, enfant avec un S. C'est un jeu incroyable, je l'ai découvert il y a très très peu de temps. C'est un jeu qui est basé sur du lyrisme. Il a des super graphismes. Alors attention, vous pouvez pas y jouer sur émulateur à celui-là. Mais c'est pas compliqué. La musique, elle est incroyable. Le son, l'ambiance, magnifique. Les graphismes, super. J'ai rarement vu ça sur un jeu mobile. Et l'histoire, elle est extrêmement touchante. Alors on est un petit enfant de la lumière. Et on se promène avec les petits oiseaux. Alors l'histoire, ce jeu n'a aucune parole, sachez-le, il n'y a absolument aucune parole. Tout se fait avec le son, l'ambiance, la musique, etc. Du côté gauche de l'écran, faites glisser vers le haut pour voler en altitude et vers le bas pour plonger à ras le sol. En réalité, hein, vous faites que voir un petit peu le... voir autour de vous en faisant ça. Hein. Sachez que votre petit bonhomme se dirige tout seul. Oh là là, c'est magnifique. Non, on est en train de plonger. C'est normal, vous inquiétez pas. Houston, Houston, on perd de l'altitude. On est passé sous les nuages de lumière. Dans l'ambiance, ça m'a un petit peu rappelé Ori. Ori the Blind Forest. Après, on n'est pas du tout sur la même thématique. On n'est pas du tout sur un jeu de plateforme. Te voilà enfin, mon enfant. Sauve-nous des ténèbres. C'est moi aussi rappelé pour ceux qui le connaissent, Lost Wind. Un jeu qui à l'origine était sorti sur iPad et qui est disponible maintenant sur Steam. Incroyable ce jeu. Faites glisser votre doigt sur le côté de l'écran pour tourner autour de vous. Hop là, on va se déplacer. Alors en gros, avec votre main gauche, vous allez vous déplacer. Et avec votre main droite, vous allez déplacer la caméra. Hop. Touche ces cônes de flamme pour faire apparaître votre lumière. Lorsque vous êtes perdu, touche ton personnage pour appeler ta lumière. Hop. Allez, on avance. Hop.
Un refuge caché et oublié avec le temps. Hop. Alors là, je vais toucher le point d'exclamation en bas à droite pour valider la quête. Quand je l'ai fait la première fois, j'étais un petit peu perdue sur ce qu'il fallait que j'appuie sur l'écran. Je suis pas allée beaucoup plus loin. Lorsque vous êtes perdu, touche ton personnage pour appeler ta lumière. Hop. Je sais pas pourquoi ce petit personnage n'est pas sans me rappeler Kindred de LOL. Hop, on va rentrer dans la petite maison. Apporte la lumière dans notre monde et surmonte ces obstacles. Ah, c'est terrible, regardez-moi tout ça. Plein de caca. Hop. Alors là, on va être embauché pour faire le ménage. Hein. Avec le petit bouton à droite, vous pouvez sauter. Hop. Brûle-t-il ténèbres. J'ai rallumé le feu à l'âtre. Encore un petit bout là-bas. Voilà. Ah, c'est bon. Elle arrive d'en bas. Ah, je crois que c'est bon, on a tout nettoyé. Tadam ! Félicitations ! Ah, bien sûr, merci. Hop, et on va pouvoir choisir une nouvelle petite coiffure. Alors, personnellement, je kiffe la coiffure de départ, donc je vais pas la changer. Merci beaucoup. Yay! Quête terminée. Il nous demande de le suivre. Je sais pas s'il y a autre chose à faire ou pas. Je vérifie quand même que j'ai bien tout... enlever le caca. Mais je crois bien avoir tout enlevé, hein, du caca. Ouais.
Allez, on sort. J'aime beaucoup les petits travelling comme ça pour nous indiquer où sont les quêtes. Vers où aller, on n'est jamais perdu, c'est incroyable. Pas un seul bruitage, un tutoriel extrêmement épuré. Ah, notre prochain objectif. Ravive les flammes et réveille les autres. Vous avez reçu un bateau message en remerciement. Cool. Glisse l'icône de pour placer ton bateau message dans l'eau. Hop. Planter un message pour que d'autres joueurs lisent. Qu'est-ce qu'on va écrire? Je vais écrire ce que j'ai écrit la première fois. Bisous. Et quête terminée. Par toi, la lumière reviendra. C'est une bougie. Hop, on va allumer la bougie. La deuxième bougie.
La troisième bougie. Terminé. Le village volière. Offrir des chandelles pour devenir ami avec ce joueur. Ok, c'est d'autres joueurs, parfait. Incroyable. Fais vite, mon enfant, le royaume appelle à l'aide. Lorsque vous êtes perdu, tu peux te diriger en touchant ton personnage pour avoir sa lumière. Bonjour. Bah écoutez les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est assez pour une présentation. J'espère en tout cas que vous avez apprécié passer cette semaine en ma compagnie au milieu de plusieurs jeux mobiles. La semaine prochaine, du coup, on reprend comme d'habitude la programmation à partir du coup de mercredi. Vidéo de lundi, malheureusement, je ne pourrais pas la faire. Hop, et de toute façon, cette vidéo normalement sortira lundi. Si jamais vous avez apprécié tous ces jeux, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air. Je vous fais des gros gros bisous et on se revoit très très vite dans d'autres jeux. D'ici là, portez-vous bien et des bisous tout le monde. Les étoiles étaient autrefois unies et notre lumière était infinie. Le premier d'entre nous est descendu pour construire un royaume dans les nuages. Mais nous avons pris notre lumière pour acquise. Et dans l'ombre, nous avons peu à peu dépéri. Beaucoup de temps s'est écoulé. Aujourd'hui, tu nous apportes de l'espoir. Va, mon enfant, redonne ta lumière à nos étoiles déchues.
Allez, bisous tout le monde.